Le premier conseil, les mains, on les garde dans le bateau. Ne jamais pousser un autre bateau ou un rocher, parce que quand on touche au mauvais moment, il y a les doigts qui regardent l'autre sens et c'est très embêtant pour l'apéritif. Hein? Après, à partir du canyon, il vous reste encore une heure et quart à faire en bateau. À 30 minutes de l'arrivée, vous allez voir le château, les ruines du château. Après, petit à petit, les maisons neuves. Et après, on rentre dans le village dans le, avec les, vieux, les vieilles maisons, les pieds dans l'eau. Matelot d'eau douce, que Dieu vous garde.